Bonjour, bienvenue dans le journal des blagues. Voici les titres. Supermarché, c'est la crise. Quand coiffure et football se mélangent, est le mystère de la ponctualité des canards. Tout de suite, nous partons rejoindre notre reportrice Espérance en direct d'un supermarché. Oui, Elena, bonjour. C'était pour dire que j'avais une blague sur les magasins, mais elle n'a pas supermarché. D'accord. Bon, reportage suivant avec Alice, qui va nous parler des liens entre football et coiffure. Oui, Elena, je suis chez un coiffeur spécial footballeur et nous allons interroger une cliente sur la coupe qu'elle souhaite. Je voudrais la Coupe du Monde. Et voilà, c'était Alice en direct du coiffeur des footballeurs. On passe enfin à Espérance pour notre dernier reportage avec le mystère de la ponctualité des canards. Oui, Elena, je suis avec un groupe de canards. L'un d'eux va nous dire pourquoi ils sont toujours à l'heure. Nous sommes toujours à l'heure car nous sommes dans les temps. Merci Espérance et le petit canard. Notre journal est maintenant terminé. Attendez, nous avons une dernière dépêche à vous lire. Pôle Nord. Des chercheurs ont découvert un pingouin d'une espèce inconnue. Ce pingouin respirait par le derrière. Malheureusement, il s'est assis et du coup, l'espèce a disparu. Ce journal est maintenant terminé. J'espère que vous avez aimé nos reportages. On se retrouvera très bientôt dans un prochain journal des blagues. Salut !